tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve pour la présentation du cahier de vacances sur le petit Lenormand d'Alexandre Musruc aux éditions donc Alliance Magique. Je pense que c'était un des plus attendus de cette année. En tout cas, moi j'avais trouvé l'idée géniale. Je ne l'ai pas lu. Et je ne l'ai pas encore pratiqué. Je l'ai par contre parcouru, on va dire survolé. Et je vous l'avais dit dans une autre des vidéos. Pour moi, c'est celui qui est le mieux réalisé. Je pense qu'il est destiné à la fois à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le petit Lenormand, à la fois à ceux qui ont déjà pratiqué le petit Lenormand, parce que je suis presque sûre qu'Alexandre arrive encore à vous passer des choses que vous ne connaissiez pas, à vous faire tout ça d'une manière très condensée, mais extrêmement compréhensible. Donc je pense qu'à la fin de ce cahier, vous aurez eu l'occasion de vraiment intensifier et d'améliorer votre pratique du petit Lenormand. Donc, il se présente comme les autres, bien sûr, avec un sommaire. Alors, une introduction, et dès l'introduction, vous avez déjà les mots-clés pour chacune des cartes. Donc, vous avez là même pas une double page, puisque ça commence là, vous avez là. Et donc là, vous avez déjà un repère. Bon, j'ai l'impression qu'après, il ne va plus me quitter. Ce cahier va rester près de moi en permanence. Et quand j'aurai un petit trou de mémoire, ou si je veux peut-être une précision, peut-être d'un mot-clé qui m'échappe, ou bien si j'en m'en souviens d'un, mais ah oui, c'était quoi encore les autres mots possibles, je vais aller le rechercher là. Franchement, déjà, je trouve ça extrêmement bien fait. Ensuite, il vous parle directement des polarités et super pouvoirs. Donc, les polarités des cartes. Donc, vous avez tableau des polarités. Donc, on est plongé directement au cœur du sujet. Vous voyez, on est à peine au chapitre 1. Et on a déjà vu les mots-clés des cartes et les polarités des cartes. Et je trouve ça vraiment génial parce que quelque part, il n'y a pas de blabla inutile. C'est souvent comme ça avec Alexandre Musruc. C'est quelqu'un qui a un don extraordinaire de nous transmettre ses connaissances d'une manière condensée, mais néanmoins complète et abordable par tout le monde. Ensuite, on a déjà un vrai ou faux, et puis un mot croisé, évidemment, hein, pour chaque fois réviser ce qu'on a déjà appris, en fait. Hein. Donc ça c'est chouette, c'est dans tous les cahiers, c'est intéressant. Ensuite, il vous propose directement tirage de l'énergie du jour. Tout simplement. Il vous explique déjà si votre tirage va être positif ou négatif en fonction des cartes. Ensuite, la rencontre des cartes. Donc, il vous propose d'interpréter déjà des associations de cartes. Ensuite, un mandala à colorier. Et puis, une petite révision. Donc, sur les mots-clés, le contexte, il rappelle qu'il faut évidemment poser une question claire pour avoir une réponse claire. Il parle des cartes positives, négatives. Les cartes négatives ne sont pas toujours négatives, puisque parfois, si vous obtenez un non à une question, justement, où vous espérez vraiment bien que ça ne va pas se produire, ben, ça va être drôlement positif. Alors, toute carte qui termine la ligne d'un tirage ou qui est la dernière à être tirée, le pouvoir sur les cartes avant elle. Et puis, analyser la trajectoire des carte. Encore une fois, je souligne le fait qu'on a mis des hommes en cartomancien et j'apprécie énormément. Donc là, on a
une dame, là on a un homme. Et j'apprécie, je trouve ça très chouette. En même temps, c'est Alexandre Mussereau qui a fait le cahier, donc. Mais bon, peu importe. C'est vraiment chouette. Alors, donc là, on vous propose de trouver des significations des cartes, de faire une histoire avec un petit Lenormand. On vous explique, par exemple, une signification possible du lys et du bouquet. Qui suis-je? Voilà. Cocher les polarités, relier les cartes. Après, il parle des cartes maîtresses. Donc, les fameuses cartes qui peuvent ici représenter un secteur de vie, par exemple, ou des personnages. Tirage avec les cartes maîtresses, donc les domaines. Quand on dit secteur de vie, les domaines de vie. Ensuite, un texte à trous, Petit Lenormand et Shakespeare, mon croisé. Alors, point commun et différence. Donc là, il analyse deux cartes, il les met en parallèle et il analyse les points communs et les différences. Donc, renard-serpent, bouc-hélice, cœur-anneau, soleil-lune, vaisseau-oiseau, soleil-clé. Ensuite, un jeu d'intrus, un jeu à relier, un labi-point. Ensuite, il vous donne la différence entre la prédiction et la guidance. Puis il dit, idée reçue, le petit Lenormand est un jeu dédié au tirage prédictif. Vrai, mais pas que. Et c'est justement avec Alexandre Mussereau que j'ai découvert la dimension spirituelle du petit Lenormand. Parce que dans les livres que j'ai achetés de lui, j'en ai quelques-uns, j'en ai un, mais j'ai aussi acheté un de ses jeux, donc avec le bouquin qui va avec, il explique très bien ça. Donc vraiment la dimension guidance et même vraiment spirituelle des cartes du petit Lenormand. J'ai trouvé ça extraordinaire, mais vraiment. Ensuite, guidance ou prédiction. Donc voilà, on vous propose de tester si vous avez bien compris signification des cartes, devinez les cartes. Le petit Lenormand à travers le monde, ça c'est génial aussi, parce que effectivement il y a plusieurs écoles du petit Lenormand, et donc il nous donne les différences entre les différentes écoles du petit Lenormand, parce qu'il faut choisir son école, sinon il y a des choses où vous n'allez plus rien comprendre. Ensuite, trouver la bonne carte, un quiz, un mot croisé. Alors, The Game of Hope, la maman du petit Lenormand, donc le jeu de l'espoir. Il parle du jeu de l'espoir qui est vraiment l'origine du petit Lenormand, puisque à l'origine, le petit Lenormand était un jeu de société de type jeu de loi. Et là, il vous donne les règles spécifiques. Donc, c'est assez intéressant, quoi. Il vous fait même le tableau, hein. Donc, vous voyez, c'est fantastique. Vous pouvez jouer directement ici sur le cahier. Ensuite, petit Lenormand, do it yourself. Donc, trier les cartes. Ah oui, donc c'est pour se faire un petit Lenormand avec un jeu de 52. Et donc, il propose avec des magazines, une imprimante, des stickers pour illustrer notre jeu. Donc, on trie les cartes. Après, on prépare les éléments. On découpe, on assemble. Et puis, on peut faire des finitions et des éléments de décoration. Alors, et ça, il le dit, et moi, j'aime à le répéter. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est la seule chose qui me permet d'éventuellement comprendre les symboles cartomantiques du petit Lenormand. C'est qu'en fait, il est issu
de la cartomancie germanique, pas de la cartomancie française, même si on lui a donné le nom de Mademoiselle de Normand, qui était française et qui a exercé à Paris. Et donc, dans la cartomancie allemande, les significations du jeu de 52 ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, mais pourquoi il y a cette carte-là sur la carte du petit Lenormand? Il n'y a pas le rapport. Ça, c'est l'explication. Maintenant, moi, j'ai appris encore autre chose il y a très peu de jours en regardant une vidéo de Yéna, donc de la chaîne Soul Shadow. Elle présente un exemplaire de la première édition de la Sibylle des Salons et où il n'y a pas les cartes de cartomancie. Ça a été ajouté après parce que c'est devenu une mode. Et pour le petit Lenormand, c'est la même chose. À la base, c'était un jeu de société. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que les cartes de cartomancie ont été ajoutées par la suite. À l'origine du jeu du petit Lenormand, elles n'y étaient pas. C'est quand on en a fait un jeu vraiment de cartomancie qu'on les a accolés. Mais encore une fois, en se servant de la cartomancie allemande. Donc, je trouve que c'est bon à savoir. Et finalement, moi, je me dis, je ne les utilise pas en fait parce que pour moi, ce n'est pas assez cohérent. Donc, je n'aime pas ça. Je ne connais pas énormément la cartomancie. J'ai un peu étudié le jeu 32. Mais justement, le peu que j'ai retenu du jeu 32, parce que après j'ai tout le cours, hein. Donc il faudrait que je me plonge dedans, mais j'ai pas tout creusé, mais le peu que j'en ai déjà retenu, ça me fait une opposition avec ma carte du petit Lenormand, et moi je peux pas travailler d'une manière qui est pas cohérente, j'y arrive pas. C'est pour moi, il faut que ce soit cohérent. D'ailleurs, un jeu où vous avez une illustration qui ne correspond pas, par exemple, au mot-clé, mais quand je dis qui ne correspond pas, c'est qui ne correspond pas du tout. Que le dessin, par exemple, montre l'opposé du mot-clé, j'ai vraiment du mal. Ce sont des jeux dont j'arrive pas à me servir. Parce que ça ne me parle pas. Moi, j'ai besoin vraiment d'une grande cohérence pour que ça fonctionne. Je vous donne ma vision, ma pratique, et vous pouvez faire autrement, parce que de toute façon, ça fonctionnera. Si vous en prenez la convention, ça fonctionnera. Moi, je vous dis juste comment mon cerveau, on va dire, fonctionne, parce que ça, c'est quelque chose qui vient du cerveau. Et donc, j'arrive pas avec l'insert cartomantique. Et donc finalement, quand je lis ça ou quand j'entends Yéna qui dit que à l'origine il n'y en avait pas, moi, je me dis finalement c'est bon quoi. Je ne fais jamais que d'utiliser le jeu dans sa version originale. Ensuite, on a un coloriage. Après, ambiance de tirage. Donc il nous donne comment on peut se mettre dans l'ambiance. Hein. Voyez, encore un homme. Chouette. Ensuite, un pochon. Il nous propose de faire un petit pochon pour notre petit Lenormand. Ensuite, purifier, consacrer, activer son petit Lenormand. Ça, c'est assez basique, mais bon, pour celui qui découvre, c'est génial, hein. Ensuite, il propose même de faire une poudre purificatrice soi-même. Il explique comment donner un coup de jeune à ses cartes. Donc, vous savez, recouper, soit recouper le jeu ou faire les tranches. Hein. Et là, il parle de faire les tranches. Alors, guidance de mots cachés, une carte, une citation. Donc là, c'est carrément relié des citations de Rumi aux cartes de Petit Lenormand. Moi, je crois que je vais adorer ce cahier. Un soupçon de magie, donc rituel. Ce sont des rituels avec les cartes de Petit Lenormand pour la chance, pour l'amour. Ensuite, affirmation et positive attitude. Donc, si vous voulez transformer votre Petit Lenormand en jeu d'affirmation, parce que c'est possible. Et
Ça, c'est aussi Alexandre Musruk qui me l'a fait découvrir. Donc, je savais déjà que ça existait. Je l'avais vu dans ses autres livres, mais je trouve que sous forme du cahier, c'est encore plus condensé et ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Comment utiliser une affirmation? Ensuite, on peut créer une affirmation. Donc, il propose des situations et d'écrire une affirmation pour chaque situation et retrouver là les cartes qui correspondent à chaque affirmation. Et donc le positive power aussi. Voilà, donc on propose de faire un tirage et puis après interpréter les tirages ci-dessous en s'inspirant de l'exemple qui est donné là-bas. Le Normand 2.0, évoluer à partir de la tradition. Et là, il vous le donne des mots-clés. Bien sûr, qui sont élargis par rapport à ce qu'on pouvait voir à l'origine sur le petit Lenormand. Puisque, bien entendu, le jeu de l'espoir a été créé à une époque où, par exemple, les trottinettes électriques n'existaient pas. Par exemple, effectivement, le cavalier, on peut le rapprocher de la trottinette, de signification de la trottinette. Donc ça, c'est vraiment assez chouette. Ensuite, il parle des consultants alternatifs dans les jeux. Il donne, voilà, il propose un exercice sur la signification de cartes de jeu, de paires de cartes du jeu, des symboles, des métiers en rapport avec les cartes. Il parle de l'oracle, hein. Donc finalement de Lenormand étendu. Il parle de la datation avec le petit Lenormand pour toutes les cartes. Comment utiliser le petit Lenormand pour dater une prédiction. On a un jeu à relier, entraînement du tirage à trois cartes, escargot ou bolide. Donc il nous parle de la vitesse dans les cartes. Ici, on a le mix et match d'oracle. Donc, il propose de mêler, par exemple, tarot et petit Lenormand. Voilà, donc ici, il propose, par exemple, la partie prédictive au petit Lenormand et le tarot en guidance. Mais on peut faire autrement aussi, hein, mais c'est une proposition. À vous de jouer. Interprétez les tirages mix and match suivants. Voilà, jeu à relier, les intrus, et puis on arrive au corrigé. Donc je vous dis que pour moi, selon moi, c'est que mon avis personnel, vraiment, vraiment. Et c'est pas pour dénigrer les autres cahiers, mais je pense que mon préféré va être celui-là. Je trouve que c'est une véritable pépite. Ça me donne l'impression que quelqu'un qui ne connaît pas le petit Lenormand, il prend ce cahier pendant ses vacances, il s'y met pendant ses vacances, et à la fin des vacances, il commence vraiment déjà à pratiquer le petit Lenormand. Je le trouve, mais vraiment extrêmement bien fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Je dis un énorme bravo à Alexandre Musruk pour avoir réalisé ce cahier. Parce que pour moi, quasiment tout y est en condensé, mais d'une manière très claire. Il n'y a pas de blabla inutile, il va droit au but. Et donc, dans un petit cahier comme les autres, il a réussi à mettre tout ce qu'il fallait. Bien sûr, il ne va pas donner non plus tout ce qu'il a mis dans tous ses autres livres, pour ceux qui veulent après creuser beaucoup plus loin, mais heureusement, ce n'est pas non plus le but d'un cahier de vacances. Mais réellement, moi qui pratique déjà un petit peu le petit Lenormand, beaucoup moins que le tarot et que les oracles, c'est vrai, mais quand même, pour moi, le petit Lenormand n'est pas du tout un inconnu, mais j'ai l'impression qu'après avoir fait ce cahier, je vais vraiment avoir passé un fameux niveau, mais réellement. Et d'une manière facile, parce qu'on voit bien, rien qu'en vous le présentant, l'ayant parcouru, que tout est tellement clair, clair et net. Et voilà,
je trouve que, voilà, pour moi, des 5 que j'ai achetés, c'est réellement le meilleur, le mieux fait. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si mon contenu vous plaît et si vous le désirez, bien entendu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.